Ah, eh bien, moi, je vends mes plumes, je les vends. Qui c'est qui le veut? Pas cher. Combien c'est que tu les veux? 12 cacahuètes. 12 cacahuètes? La plume? Oui, la plume. En ancienne cacahuète, ça fait 200 cacahuètes. C'est cher. Alors, des cacahuètes. J'achète. C'est pour faire un dessin. Quoi c'est que tu vas dessiner? Un lac. Bleu, bleu, bleu. Pour me baigner. Un lapin qui nage. Taisez-vous, idiot tortue. Oh. Occupez vos oignons. Ah, merde. On peut pas changer la idiot tortue. Chaque fois, ça me... Franchement... Bon, on arrête 5 minutes. On la refait après. Ah, c'est bonne idée. Dis-moi, Régine de la Comédie Française, oh. Pas une petite... Cigarette? Clément! Oui, madame? Ça va très bien, mais puisqu'on le refait, vous pouvez pas essayer de me le faire un peu moins gros nounours, s'il vous plaît? Alors, le taureau, un peu moins nounours. Bien, madame. Et moi? Toi, rien. Articule. De toute façon, le 15, moi, je ferme. Le grand acteur fait ses adieux au public. Qu'est-ce que ça veut dire? J'entre chez Panzani. Tu sais, le parrain de Rose, il m'avait promis sa marge, je m'occupais de PLV. Et qu'est-ce que c'est, ça? Bah, c'est la publicité sur les lieux de vente. Très marrant. C'est bien, mais tu aurais quand même pu me le dire, hein? Eh ben, je te le dis. La porte courant d'air, merde! Oh! Mais qu'est-ce que tu as, hein? J'ai 43 ans, je fais le gugus et je suis fatigué. On en avait déjà parlé, c'est pas d'aujourd'hui. 380 000 francs par mois pour commencer, voiture fournie, essence gratis, c'est le 13e mois. Alors, hein? Mais tu devais pas. Tu m'avais pas dit, là, pour Avignon, le mari dans la pièce de Peter Schaeffer. 43 ans, Nicolas, qu'est-ce que tu veux que je fasse, le conservatoire? On peut reprendre? Tout le monde y est? Quand vous voulez, on peut y aller. Qu'est-ce que tu fais? Je répète pour le gala de l'Union. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce que tu as? Moi, rien. Et toi? Non, Clément, c'est vrai, vous n'aimez plus ça, vous croyez? Je veux dire, le métier. C'est lui qui ne m'a jamais beaucoup aimé. C'est un aigri. Je n'aime pas les types aigris. Mais pourquoi comme ça, tout à coup? C'est une question de volupté. Je pars le matin de bonne heure, je fais le taureau, bien content de faire, je change mon disque, je vais déjeuner, on va essayer des uniformes de Gugus chez Vacher à 4 heures. L'après-midi, je fais une voix sur France Culture. À mort, Barabbas, à mort. Je change mon disque. Le soir au théâtre, haut les mains, pan, pan, pan. La nuit, les Mysterious Boys. Et je n'éprouve plus aucune volupté.